Monsieur qui est paralysé de AVC, il est en France. C'est un petit. Il peut pas parler. Même quand j'accoule comme ça, puis oh. Donc, il s'est débrouillé, il prend le téléphone, il va dans YouTube. Et puis il entend où on parle des cailloux. En même temps, je vous informe aussi. Aujourd'hui, le dernier jour des cailloux là. Peut-être que j'ai oublié, mais tu en même temps me rappelles pour la prédication. Yes. Ah, dis aujourd'hui est le dernier jour. Donc on va faire la sauce. Ou bien, quand on se réveille demain matin, ça veut dire que 5 jours est mort. Donc ça veut dire que c'est consommé aujourd'hui. Donc le monsieur où on parle des cailloux là, il tombe sur le culte. Et puis il dit dans son cœur à Dieu, je ne peux pas marcher, même se lever, je ne peux pas. Tout est paralysé. Si vraiment, pasteur qui prêche là, ça vient de toi, ce qu'il est en train de faire. Je n'ai qu'à être simplement guéri. Où il te parle là? Il m'envoie vocal. Il parle. Sa femme m'appelle, elle dit, pasteur, on prie à vous maintenant. Alléluia. Où est-ce en train de parler? Son air est direct. Tu m'entends? Il dit, maintenant, on vous suit. Il parle. Je lui ai dit, mets-toi à genoux. Il s'est mis à genoux. Il a dit, lève-toi. Il s'est levé, il est tombé. Il a dit, ne te décourage pas. Il a dit à sa femme, aide-la à se lever. Il l'a aidé. Il a commencé à bouger. Il a dit, viens, maman. Tu as parlé, non? Il dit, oui. Ça commence comme ça. Il dit, c'est beaucoup même. C'est beaucoup même. Il a dit, ma femme, je ne peux pas parler. Maintenant, il parle propre. Tu as compris? C'est le signe que lui a demandé qu'elle a. Donc, moi, j'ai confiance que Jésus est réel. Lui, il ne m'a pas vu. Il m'a même pas entendu, même physiquement. C'est cassette vidéo. Il regarde et puis dit, si ça là, ça vient de Dieu là, mon miracle n'a qu'à sortir dedans. C'est les gens comme ça on veut en 2023. On n'a qu'à arrêter notre chrétienté qui est persuasif là. Allons-y en profondeur. On peut encore amener des squelettes à parler. On peut le faire. Alléluia. Alléluia. Pour les cailloux là, on ne verse pas en désordre comme ça. Faut dire, on ne verse pas en désordre comme ça. Ou bien, tu as versé déjà. Tu as déjà versé pour lui. On ne verse pas comme ça. Le sable, la terre, là, on verse devant ta porte. Maintenant, si déjà, c'était un lieu où tu allais te déposer, tu le laisses comme ça. Voilà, tu le laisses comme ça, c'est fini. Maintenant, pour ceux qui ont mis dans des récipients, puis ils ont déposé le caillou dedans, vous versez le sable. Le caillou, vous pouvez l'abandonner quelque part. Ce n'est pas fétiche, vous pouvez le jeter. C'est fini. Mais le sable, il faut mettre devant ta porte. C'est compris? On met où? Si chez toi, tout est goudronné, tout est béton, ça ne fait rien. Au-delà, tu vas saluer le coin. Tu descends, tu verses là. Alléluia. Pas attendre à minuit. Alléluia. Alléluia. On n'a pas dit forcément ça à minuit. Il faut prendre. Mais l'action prend fin à minuit 00. C'est-à-dire, à partir de minuit 1 jusqu'à 6h, 7h, 10h, même demain midi, tu es libéré, tu peux faire. Mais il ne faut pas verser tout de suite. Hein? D'accord? Maintenant, il y a des gens qui ne comprennent pas à faire des cailloux là. C'est quoi ils ont fait cailloux là? Pardon, tu n'es pas concerné. Oui. Mais français, il n'y a pas. Français, il n'y a pas là. Non, non. Non, non, écoutez. Écoute. Exemple, devant la maison est carrelée. Mais, quand tu marches, juste quand tu sors de ta grande cour là, il y a la terre là-bas. Il faut verser là-bas. Ce n'est pas la porte forcément là où tu. Il faut verser là-bas. En fait, tu vas marcher dessus chaque fois. C'est tout. Tu as compris? Mais caillou là, lui, tu ne vas pas marcher sur lui. C'est pas pour l'abandonner quelque part. Il dit même si tout ton coin est bétonné, tout, il faut verser là. Mais tu balais ton coin, c'est fini, tu mets là. En fait, tu dois marcher dessus, c'est tout. C'est compris? Hein? Pour quelqu'un qui n'est pas là. Oui, on peut faire. On peut faire pour quelqu'un qui n'est pas là. Ça peut aller, c'est fini. On peut faire pour quelqu'un qui n'est pas là. Tu verses simplement. Le caillou, tu balances quelque part. Il n'y a plus question, hein, c'est fini. Vous aimez durer, hein? Moi, j'ai changé vous. Depuis, il a fini. C'est vous qui posez question seulement. Oui, maman. Le grand portail,
Grand portail, c'est là-bas, vous versez. Vous versez. Voilà, tu peux verser, ça va là. Ok, on se tient debout tout le monde. Je dis.